Qui est mon crush sur YouTube? Quelle fille j'aime bien sur YouTube? Une YouTubeuse. Salut les amis, je vous retrouve en cette période de confinement pour vous apporter un peu de bonne humeur, un peu de rigolade avec, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, ma maman et mon papa. C'est la première fois qu'ils sont sur la chaîne, alors je veux pas de méchants commentaires. Papa, tu t'es bien lavé les dents, t'as pas de blanc sur les côtés des lèvres. Maman, t'es bien habillée? Oui, très bien. Lève-toi pour voir, tourne sur toi-même, marche un petit peu. Peut-être que si on fait assez de vues dans cette vidéo, on pourra te payer des facettes. Alors les amis, aujourd'hui, j'ai choisi un thème que vous m'avez suggéré. Ce thème, c'est qui me connaît le mieux entre mon papa et ma maman. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais leur poser vos questions. C'est les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et on va voir à la fin de la vidéo qui des deux me connaît le mieux. Pour être très honnête avec vous, mon papa, il connaît même pas ma date d'anniversaire. 24-3-88. Pas mal. Il a révisé cette vidéo. Il savait qu'on allait faire cette vidéo. Il m'a dit ouais, c'est ça. Alors, c'est parti, je vais aller chercher vos questions. Quel stress. C'est là, t'es stressé? Oh, complètement. T'as pas l'air. Maman, papa, qui est mon crush sur YouTube? Quelle fille j'aime bien sur YouTube? Une YouTubeuse. C'est pas... Arrête. Vous savez pas? Vous regardez pas attentivement mes vidéos? Non. Tu sais, toi? Clara Berry? Non, c'est pas Clara Berry. Toi, maman? Non, j'ai... Tu veux dire un nom? Non, j'en ai pas en tête, franchement. On commence par un 0-0. Vous imaginez si aucun de mes parents ne me connaît? On va peut-être faire des questions un petit peu plus faciles. Là, mais on te connaît hors réseaux sociaux. La chance. C'est quoi mon plat préféré? Le bowl. Le bowl? Le bowl. Le bowl, le pokéball? Le pokéball. Ok, toi, maman, tu dis quoi? Poulet frites? Non. Pokéball, ça va. Sushi, ça aurait marché. Et toi, je pensais que t'allais dire le poulet crème que tu fais avec du riz, là. Un de mes plats préférés, c'est toi qui le fais et t'as pas su. C'est dommage. En plus, je te le dis à chaque fois que tu le fais. À quel âge j'ai fait ma première fois? 18 ans. Ouais. Pas mal. Mais la première fois quoi? La première fois à faire la bagatelle, enfin, Pierre. Oh non, mais ouais, mais si on me dit pas de quoi on parle, moi, je n'en ai même. Qu'est-ce que je déteste manger? Les endives. Non, j'adore. C'est pas très difficile, hein? Non, ouais, mais il y a un truc que j'aime pas. L'artichaut? Non. Qui pousse ici? La crevette? Ça pousse pas. Le colza? Non. Le fenouil. Le fenouil. Le fenouil. Mes parents ne me connaissent pas, les amis. Combien j'ai d'abonnés sur YouTube? 540 000. Oh non, 240 000. 540 000, c'est sur Instagram. C'est sur moi. Oh, pile. Elle dit tout. Elle dit tout. Ça, je connais pas la réponse à cette question. Et quel est le mot, le premier mot que j'ai dit? Bah maman, bien sûr. Papa, moi je dirais papa. Qui pourra te le dire? Vous savez pas? Non. Si, si. C'est, j'ai dit quoi? Maman. Au revoir. Bon, c'est une question qui ne fait point à personne. Vous êtes tous les deux des tricheurs. Le prénom de ma première copine? Mélanie? Non. Si, c'est Baba qui gagne. Mais c'était pas ta première copine. Mais si, c'était Mélanie. Ma première sérieuse. Ouais, c'est ma première copine. Non, c'est ma première copine, vraiment. Ouais, il y a eu des petites aventures. Elle comptait pas. De nature surtout sexuelle. Ah ouais, mais moi je croyais que c'était la première première, celle des 18 ans. Et ça, je la connais pas. Ouais, mais c'était pas ma copine. C'était uniquement du cul. Passons, allez. Alors là, c'est non. T'es mort, on arrête ça. Est-ce que je suis plutôt un homme à marier ou un charreau? Le problème, c'est que charreau, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que tu serais plutôt un charreau. Le premier pays que j'ai visité? Oh, la Suisse, hein. Oui, la Suisse, oui. C'est un point pour papa. Ouais, t'étais tout petit, tu faisais du ski. Tu faisais du ski avec la même. T'as commencé le ski en Suisse. Oui, bon, tu as perdu de toute façon. Ouais. Oui, alors n'essaye pas de donner des précisions. Mais pour moi, la Suisse, c'est pas vraiment un pays étranger. Ah bon, c'est un pays quoi. Quelle était ma première vidéo YouTube? Bastos fait des bulles, non? Ça, c'était ma chaîne. Non, c'était... Là. Là, je pense quand même que je pourrais marquer un point. Non. Parce que c'est le nom de la chaîne, c'est pas le nom de ma vidéo. Oui, d'accord, mais enfin, c'était un truc où tu faisais des bulles sur un t-shirt, donc tu commençais les bulles. Si t'avais dit un truc où tu faisais des bulles sur un t-shirt, t'aurais gagné. Mais bon, si on pense comme ça, moi j'arrête. Je trouve que vous n'êtes pas assez assidu. Quel est le prénom de mon meilleur ami? Zach. Ah, c'est un point pour moi. Ah putain, merde, oui, c'est vrai, c'est Avant Darko. Va te laver les mains. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Soyez attentifs. Les deux prénoms de mes assistants.
Loué et Mathias. Mathis. C'est pas Mathias, c'est Mathis. Bah non, on va se faire des félicitations avec les coudes. Ah, c'est Mathis. Non, c'est Mathias. C'est Mathias. Bah oui, ouais, maintenant, on se dit félicitations avec les coudes. D'accord. Un point d'accord pour papa. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est une question facile, c'est une question de rapidité. Est-ce que je préfère les grosses fesses ou les gros seins? Les grosses fesses. Et toi? Je sais pas, je ne veux pas savoir, je m'en fous. Tu sais que là, tu peux marquer un point facile. Les grosses rustines. Enfin, les grosses rustines, c'est quand même un secret pour personne. Qui a récemment blacklisté votre fils? Instagram. Non. Non. Heureusement, non, c'est la sinon boîte votre de fils nuit, serait chômeur. La boîte de nuit, comment elle s'appelle? Oui. Je vous donne quand même un indice pour le nom de la boîte de nuit. The Case. C'est maman. Si elle sait dire clé en anglais, c'est pas de mon coup. Quelle est, de ma chaîne, votre vidéo YouTube préférée? Alors, de ta chaîne YouTube... Il y avait tellement... Le premier qui réussit à se souvenir d'une vidéo, il gagne. Hein. Non, je choisis une assistante. Bim. À quoi votre fils adoré est-il accro? Aux filles, au sexe, aux amis. Je l'ai dit. Quel est le compte, papa, toi qui tiens le... 6 pour maman et 5 pour moi. Quel est le métier que j'aurais rêvé de faire? Je sais pas. Je crois que j'ai jamais rêvé de faire un métier. T'as toujours rêvé de pas travailler, en fait. Mais... C'est une question qui n'en rapporte de points à personne. Donnez environ le nombre de relations sexuelles que j'ai eues. Oh non. Oh non. Vous êtes obligé de dire un nombre. 72. Il veut pas lui donner la réponse, de toute façon c'était une mauvaise question. De toute façon c'était plus. Quoi? Quoi que vous disiez, c'était plus. Quel est le premier tatouage que je me suis fait? Ah, enfin, le petit oiseau que tu as fait avec Jean. Bien joué, maman. Une mésange. Ça m'a fait un choc. Dit-elle alors qu'aujourd'hui elle a un tatouage. Est-ce que y en a un de vous deux qui aimerait bien que je lui fasse un tatouage un jour? Oui, moi. Allez, un point pour maman. Mal parti. À la piscine ou en mer quand je vais me baigner, je suis plutôt speedo ou short? Short. Alors, un point pour maman. Deux prénoms de filles que j'ai aimées dans ma vie. Mélanie. T'as dit Mélanie. Mélanie. Oui. Et il gagne. Sauf que non, il gagne pas parce que c'est un seul prénom. Eh oui. Alors, allez, c'est pour maman. Non. Bastos a-t-il un six-pack ou un four-pack? Un six-pack. J'ai pas compris la question. C'est les abdos. Allez, un four-pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on les compte? Oui. Si, on regarde chez moi, alors là, si j'aime bien compter. Toi, t'as un pack. Oh, mais je pense que c'est un 4-pack. Il ne reste qu'une question. C'est une question très importante qui vaut 4 points. Quelle est la pire connerie que Bastos s'est fait quand il était petit? Faire caca dans le garage de ton grand-père quand t'avais quoi, 4 ans quoi. Bon. Le grand-père ça a pas fait rien. Non, parce que c'était mon père, il a bien engueulé maman. Toi non plus ça t'a pas fait. Moi non plus, j'ai pas du tout aimé. Bon, enfin en tout cas c'est toi qui gagne, maman. Je m'incline. C'est donc ma maman qui me connaît le mieux. Je te décerne le titre de mon parent qui me connaît le mieux, félicitations. Est-ce que tu veux faire un petit discours? Non, je ferai pas de discours. Et je ferai pas de bisous non plus parce qu'on est en confinement. Voilà. Bon, bah pas de bisous, rien du tout. C'est austère, hein, cette famille. C'était Bastos avec son papa et sa maman sur la chaîne Bastos YouTube. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait rigoler. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous reviendrez? Oui. Alors on vous retrouve tous les trois la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment un bon courage pendant cette période difficile. Tenez-y vous, c'est important. Ayez de l'empathie. Je vous souhaite bien du courage. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.